Et voilà, comme ça, je suis prête pour aller à l'école. Ah, Oscar, Oscar, mon petit robot. Faut que je te raconte un truc avant de partir. Que bon, hein. Ok. Ce qui est bien avec toi, c'est que vu que tu dis qu'un seul truc, au moins je peux te dire tous mes secrets. Coramtier. Voilà. Coramtier. Et je suis sûre qu'au moins tu ne le répéteras à personne. Mais ce qui se passe à l'école, c'est vraiment très très... C'est un secret, faut pas le dire, parce que sinon... Si les garçons me chopent, j'ai peur qu'ils me fassent du mal. Mais bon, en gros, ils font un trafic de culottes dans l'école. Tu te rends compte? Coramtier. Ouais, moi aussi, je m'en rends pas compte, c'est terrible. Et du coup, après, ils se revendent des culottes entre eux et tout. Ils ont une liste et tout. C'est horrible. Il est quelle Coramtier. heure? Oscar, je vais te laisser ici toute la journée, comme d'habitude. Et puis, je reviens de l'école vers 17-18 h, comme d'habitude. Coramtier. Voilà. Bon, à plus tard, Oscar! Coramtier. Enfin, les cours sont finies. Je vais pouvoir ranger mes affaires. Hop, et rejoindre Oscar à la maison. Alors, le livre là, je vais pas en avoir besoin pour mes devoirs. Je vais le poser là, hop. Et celui-ci, ok, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais ça va pas ou quoi? Oh. C'est beau, montre-moi ta culotte. Non, mais tu ne prendras pas ma culotte en photo, espèce de pervers! Viens là. Quoi, non? Arrête de me suivre! Donne-moi, je veux Arrête! voir. Arrête! Je veux voir. Ohé. Ohé. Clara. Où es-tu? Ouvre cette porte. A few moments later. Bon, j'entends plus trop de bruit. Ah, il frappe plus à la porte. Je pense que je peux sortir. Quand même me laver les mains là, parce que. Bon. Hop. Alors. Non, il est plus là. Les garçons, je crois qu'ils sont partis. Ou bien ils ont trouvé une autre cible, je sais pas trop. En tout cas, je plains la nouvelle fille qui sont allées embêter. Bon, au moins je vais pouvoir rentrer chez moi tranquillement, sans me faire poursuivre. Ah, enfin, à la maison, et saine et sauve surtout. Ah. Coucou Oscar! Coramtier, 6, 9, 8, 7, 8, 7, 8. Waouh, tu dis plus de chiffres que d'habitude! Eh bien, on avance! Bon, bah j'espère que t'as passé une bonne journée, hein. Coramtier. Ah. Ah tiens, je vais allumer la télé. J'aurais dû t'allumer la télé avant de partir. Peut-être qu'au moins, tu t'emmerderais moins. En plus, je suis rentrée un peu plus tard aujourd'hui, hein. Garçons qui m'ont encore embêté, mais bon, ça commence à m'énerver, mais bon. Oh là là. En tout cas, je voulais te dire, il y a un truc trop chelou en fait. Après, quand je suis sortie, j'ai vu que c'était extrêmement vide. Alors, je sais pas s'il y a un match au stade de foot, s'il y a un match à la télé. D'ailleurs, peut-être regarder s'il y a un match à la télé ou s'il y a quelqu'un qui fait la fête. Parce que c'était quand même relativement vide partout, dans l'école, dans la rue. Ouais, non, je sais pas, il n'y a pas de concert. J'ai entendu parler d'un concert? Ah. Coramtier. Ok, bah moi non plus. Je t'avoue que moi non plus, je n'ai rien. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, on m'a invité nulle part. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis fatiguée. Je vais aller me coucher, puisque demain, je commence tôt, je commence à 8 h. Oh là là. Pas envie, donc. Ouais, Coramtier. je vais peut-être un peu bosser sur l'ordi avant de bosser un peu mes cours, et puis. Comme ça, au moins, j'aurai Six, fini mes nine, devoirs. seven, five, four. 3, 2, 1. Ah voilà. Ok, je suis prête pour aller à l'école. Et quelle heure? Oh là là. J'ai oublié d'éteindre l'ordinateur et la télé. Je me suis endormie comme une pauvre merde hier. Voilà. Oh, je vais être en retard. Oh là là. Bah, Oscar, comme d'habitude, hein, tu vas rester tout seul. Je finis assez tôt, je crois, vers 15 h aujourd'hui. Oh, I'm here. 6, 9, 18, 4. 3, 2, 1. Ok, moi aussi, je suis contente de finir plus tôt aujourd'hui. Donc, je te dis à tout à l'heure, Oscar, amuse-toi bien. Coramtier. Il n'y a personne sur le parking. Bon, d'habitude, il n'y a pas forcément beaucoup de voitures, mais il y en a au moins deux ou trois, genre celle de ma voisine. Et là, il n'y a rien. Bon, bah, c'est pas grave, je vais en direction de l'école.
Alors, ça se fait, je me suis trompée, ça se fait, il y a un jour férié aujourd'hui, puisque là, je vois rien du tout. Bon, non, normalement, c'est pas férié aujourd'hui. Allez, on va aller à l'école. Ah, mais c'est complètement vide, le prof d'habitude, il est toujours ici, il est déjà assis, il est prêt à donner le cours. C'est complètement vidé. Bon, je vais aller voir le directeur pour lui demander... Il est où le directeur? Il n'y a personne? Bon, je vais essayer d'appeler quelqu'un, une copine ou quoi? Non mais... Il n'y a pas de réseau. Allô, il n'y a pas de réseau. Je vais me mettre devant, peut-être qu'il y a du réseau devant. Non, il n'y a pas de réseau devant. Non mais c'est pas possible, j'ai le meilleur opérateur de Brookhaven. Il est jamais en panne. Et là, j'ai pas de réseau. Bon. Bah... Trop chelou. Il n'y a aucune voiture dehors, il n'y a rien. C'est vidé. Bon, bah, j'en profite. Alors, quelle note on m'a mis? Je vais aller voir les bulletins. Bon, je me permets avant que les gens se réveillent, là. Alors. Ok. Clara. Ok, ça, c'est mon dossier. Ah ouais, genre, moi, j'ai eu un B-. Genre un B-, non mais n'importe quoi, hein. Un B-, on va modifier ça, on va mettre un petit A+. Voilà, petit A+. Parfait, on transforme voilà le B en A+. Et les appréciations pour mon bulletin. Ok, on va mettre... Clara est une très bonne élève. On va mettre une très bonne mention. Par contre, je sais, là, le garçon qui m'a fait chier hier, là. Garçon, là, il s'appelle comment déjà? Il s'appelle Geoffroy, là. Geoffroy, je vais prendre ton petit dossier, là, Geoffroy. Bon, t'as déjà des notes pourries, Geoffroy. Hein, tes notes, ils sont à chier. Mais on va les modifier, on va mettre la pire note, là. T'as déjà un F+, hop, on gomme le petit plus et on met un petit moins à la place. Au niveau des notes, je pourrais pas faire grand-chose, c'est déjà la catastrophe. Bah alors, au niveau des appréciations, on va mettre quoi? Allez, je m'installe. Hein. Oh, le siège du directeur, il est plutôt confortable. Bon, on va mettre... il a quoi comme appréciation? Fais des efforts en classe. Non, je fais pas d'efforts en classe, toi. Hop, on va gommer ça aussi. On va mettre... c'est l'élève le plus pourri de toute l'école. Tu ne vas certainement pas passer l'année. Et ce sera en mode redoublage. Voilà. Hop, comme ça c'est parfait. Il va redoubler. Oh bah tiens. Oh, l'ordinateur du principal. Allez, on va changer toutes les notes de ce garçon. On va mettre que des F- partout. Au moins, je suis sûre qu'il va redoubler. On sera pas dans la même classe l'année prochaine. Voilà, pareil. Oh, la petite chouin de l'école, là. La petite Pamela, hein. Petite Pamela, elle a quoi? Oh, la Pamela, plutôt bonne note. Mais bon, c'était un bug informatique, puisqu'en réalité, elle n'a pas des A+. Bon, je vais peut-être pas abuser à mettre des F parce que ça serait pas crédible, mais genre, je vais mettre des B-, des C+. Voilà, en appréciation. Oh, je vais lui mettre... Je devrais faire des efforts et mettre moins de... moins de couches de fond de teint sur ton visage, jeune fille. Voilà, comme ça, c'est fait. Oh, c'est... Ouais. Bon, je vais peut-être pas abuser parce que c'est déjà pas hyper crédible. Bon. Bah, je suppose qu'il n'y a pas cours aujourd'hui. Je vais sortir dehors, je vais peut-être aller à la supérette du coin, parce que même quand il y a des jours fériés, des jours où il y a des événements, etc., la supérette, elle est toujours ouverte. Donc on va aller voir là-haut, je vais aller voir si c'est ouvert. Et oh, il y a quelqu'un? Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bon, c'est sûr, il y a des gens au parc. Il y a quelqu'un? Mais j'ai l'impression que je joue une grosse partie de cache-cache, quoi. Ils sont tous cachés, c'est pas possible. Bon, je suis à côté de la supérette, je vais aller voir s'il y a quelqu'un. Elle est bien ouverte, la supérette, mais il n'y a personne. Madame Dufoin? Madame Dufoin? Non, genre, la directrice d'ici, elle aurait jamais ouvert son magasin si elle n'était pas là. C'est pas possible. Mais s'il y a vraiment personne à Brookhaven, je sais pas ce qui s'est passé, mais s'il y a vraiment personne à Brookhaven, ça veut dire qu'en fait, je peux faire tout ce que je veux. D'ailleurs, attends, j'ai une petite faim. Voilà. Quoique, hop, faut quand même laisser, ouais, on peut faire tout ce qu'on veut, mais je culpabilise tellement, je vais laisser quand même une petite pièce sur le comptoir, voilà. Hop, bon.
petit paquet de Doritos et je vais rentrer à la maison, je vais aller chercher Oscar et on va aller. Et on va s'amuser un peu. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ah, au moins, toi, t'as pas disparu. Comment ça va, Oscar? Faut que je te raconte une dinguerie. Quoi, ouais, vraiment un truc de dingue, comme tu dis. En fait, il n'y a plus personne dehors. Et c'est vide. Brookhaven est complètement vide. Alors, il n'y a plus aucun humain. J'ai l'impression d'être seul sur Terre. Quoi, 6, 9, 8, 7, 3, 2, 1. J'ai une idée. Alors. Attends, je vais chercher. Hop. Voilà, petite. Parce que mine de rien, t'es quand même lourd. Donc, je vais te faire rentrer dans la brouette. Et on va aller faire le tour de Brookhaven. Ok, allons-y. Hop là. Alors, vu que je suis étudiante et que c'est un peu la hesse et que j'ai pas vraiment beaucoup de vêtements, je propose que dans un premier temps, on se fasse plaisir au magasin de vêtements. Allons-y. Que penses-tu du style fermière ? Bon, t'avais pas l'air trop emballé par le style fermière. Peut-être qu'effectivement, ça fait un peu trop gueux. Du coup, je me suis dit, bon, allez, on met le taquet, là. Alors, qu'est-ce que tu penses de celle-là ? Bon, j'ai vu que la dernière tenue, bah, t'étais tombée à la renverse. Bon, j'avoue, j'étais pas mal dedans, ça me faisait un beau boule. Mais c'est pas très confortable, du coup, je me suis dit, allez, on va faire simple aujourd'hui, pyjama. Mais au moins, on est confortable pour la journée. Qu'est-ce t'en penses ? Oscar, je vais te montrer un endroit. C'est un endroit, il est hyper bien. Et ça fait longtemps que je suis pas venue ici. Regarde, le Saint Graal. Le fast food. Ah oui, hein, non mais totalement, t'as raison, hein, le diabète x10, mais bon, c'est pas grave, on y va. Bon, Oscar, goûte-moi ça, mange Oscar, allez mange. C'est bon, hein, bon, c'est... on a plus sur le casque que voilà, mais bon, faut que tu goûtes, c'est tellement bon, c'est une pizza orientale avec curry, sauce curry, crème fraîche. J'ai mis tous les ingrédients dedans. C'est moi-même qui l'ai préparé. C'est une pizza qui vient de mon cœur. Regarde, Oscar. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Elle est trop bonne. Oh mon Dieu, Oscar. Il faut que je te sauve. Il y a le feu. Oh non, non, ne meurs pas. Ne meurs pas. J'arrive. Il faut que je sauve. Ta-ta-ta-ta. Hop. Heureusement que Clara est là. Vite. Faut que je me ferai un chemin jusqu'à Oscar. Mon robot, t'inquiète pas. Hop. Voilà. Viens, vite, sortons avant que cette maison ne tombe sur la tête. Ah, et voilà. Encore une mission réussie pour pompier Clara. Ah, il y a encore un petit peu le feu. Bon, bah j'espère qu'ils ont une assurance, hein, pour leur maison. De toute façon, personne ne m'a vu. Allez, viens, on y va, Oscar. Oh, I'm here. Waouh, ça fait beaucoup de dollars. Oscar, est-ce que tout va bien en bas ? 6, 9, 8, 7, 8, 3, 2, 1. Ok, c'est bon, Oscar. J'ai pris toute la moulaga, j'arrive. Vite. Hop. Vite, il faut qu'on parte, Oscar. Viens. Vite, il faut qu'on parte. S'ils nous suivent, tu leur tires dessus, Oscar, d'accord? Tu les fumes tous. Bon, bah après, en réalité, y a personne. Ah, d'ailleurs, sympa les petites voitures de police, elles roulent vite, hein. Ah, on s'est bien amusé, Oscar, quand même, mais je dois t'avouer que ma mère, elle me manque, et puis c'est vachement triste, quoi. Ouais, l'école aussi, ça me manque un petit peu. J'aimerais bien reprendre demain, normalement, la journée, mais bon. J'ai l'impression que... 6, 9, 18, 4. Arrête, Oscar, t'es chiant à dire toujours la même chose. Là, c'est bon, hein. Déjà que j'ai personne avec qui parler, si en plus tu répètes toujours la même chose, on va pas se comprendre. C'est vraiment très chiant, Oscar. Non, dis autre chose, Oscar. 6, 9. 18, 3, 4. Oh, franchement, Oscar, t'es lourd. Hein.
pourrait me comprendre un peu quand même. On s'est toujours compris, mais là, franchement, on se comprend plus, hein. Bon Dieu. Mais... Oh. Mais, attends. Peut-être qu'en... En fait, ça veut peut-être dire quelque chose que tu me dis, là. Ah. Mais, attends, viens, Oscar. On va aller faire des recherches. Tant qu'à faire, j'ai du temps à perdre, j'ai rien à faire. On va aller regarder un petit peu, parce que... tu dis un mot chelou, là. Mais tu dis aussi des chiffres. Est-ce que ça pourrait vouloir dire quelque chose? On va essayer de trouver un livre là-dessus. Allez, viens, Oscar, je t'embarque. Allez, on va... Je pense que le meilleur endroit, on pourrait trouver des informations. Parce qu'en fait, je sais pas, si t'as été fabriqué... Genre, il y a longtemps, donc... Donc, techniquement, on devrait pouvoir trouver des choses dans des livres. Et où est-ce qu'on peut trouver des vieux livres? Eh ben, à la vieille bibliothèque de Brookhaven. Donc, on va aller là-haut et on va trouver des trucs. J'ai trouvé le livre sur tous les robots de la NASA. Et normalement, tu devrais être dedans, mais... Attends, c'est quoi ta référence, déjà? Alors, c'est marqué dans ton dos... Z340, c'est bien ça, Oscar? Bon, je suppose que oui. Alors, Z340... ok, c'est ici. Z340. D'accord, ok, donc c'est un... Oh! Tu sais que t'as été... t'es le seul exemplaire? 6, 9, 7, 8, 3, 2, 1. Tout à fait, Oscar. Tout à fait, Oscar. Tu es une édition limitée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans ce livre sur ton cas, pour comprendre un petit peu? Alors, ça se fait, en fait, les chiffres que tu donnes, c'est peut-être un code erreur. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec ça. Peut-être qu'il y a un bug. Peut-être que, je sais pas, il y a un truc à faire. Donc, alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, Z340. Ok, donc, ah, apparemment, t'as un message caché. Oh. Intéressant. D'accord, je vois. Quoi? En fait, les chiffres que tu me donnes, ce sont des chiffres de GPS? 3, 2... Ok. Ok, faut que je note les chiffres que tu me donnes pour le GPS. Ok. 6, 7, 8, 5, 3, 2, 1. Ok, c'est bon, j'ai retenu Oscar. J'ai retenu Oscar ton code. Ok, avec ce code, on devrait pouvoir trouver un emplacement GPS qui est en fait une base secrète. Waouh! Et en fait, dans cette base secrète, il y aurait une clé USB que si j'insère cette clé USB sur toi, Oscar, ça me dévoilerait quelque chose. Donc, ah, ça commence à être intéressant de cette journée maintenant, Oscar. Bon. Il faut qu'on trouve maintenant cette localisation. Et pour ça, rien de mieux. Je vais emprunter l'ordinateur de la bibliothécaire. Je vais trouver cet emplacement. Et on y va, Oscar, d'accord? Yeah. Oh là là, la pente, elle a été ultra pentue, hein. Mais bon, on arrivait, Oscar, t'as vu? Ouais. On arrivait, c'est vraiment très très sécurisé comme endroit, mais ça a l'air ouvert. On va s'incruster, hein. On va faire comme chez nous, hein. De toute façon, je suppose qu'il n'y a personne dedans, hein, comme partout ailleurs à Brookhaven. On est bien arrivé, c'est un peu flippant comme endroit, Oscar, tu trouves pas? Coran. Je pense que t'as dû être conçu ici. Coran. Bon, normalement, il était dit qu'on pourrait trouver une clé USB. Où est-ce qu'elle peut se trouver? Alors. Hop, je la récupère. Elle est juste là, une petite clé USB. Voilà. Et je vais mettre la clé... Ah, voilà, t'es juste là. Sur le côté, il y a un petit port USB. Voilà, hop. Veuillez rentrer votre code d'identification. 0000. Erreur. 1, 2, 3, 4. Erreur. LOL, 1, 2, 3. Erreur, il vous reste un essai. Pas que je dise des bêtises. Bon, en soi, si ces personnes sont comme moi et qu'ils oublient à chaque fois leur code, ils ont dû le noter quelque part. Alors, ici, ok, non, ça c'est un ticket de McDo. Là, c'est quoi? Identification erronée. Ouais, t'inquiète, je cherche, Oscar, je cherche. là, c'est quoi?
Ah, une facture pour un téléphone rose. Bon, ça, je juge pas. Là. Ah. Ah, code d'identification. Le code d'identification. Ok. Ok, je l'ai. Alors, le code, c'est Peppa Pig, Oui Oui, Choupi, Petit Ours Brun. Bonjour. Oh, je suis Oscar. Oh, tu parles maintenant, Oscar? Z340. Système d'exploitation enclenché. Salut, Oscar. Lara. Oui. Bonjour. Oh mon Dieu, je ne suis plus toute seule. Tu parles vraiment, Oscar? Oui, je parle. J'ai plein de choses à te raconter. Je t'écoute, Oscar. Je suis vraiment très triste. Mais pourquoi? Tu m'as laissé dehors, et un pigeon m'a fait caca dessus. Ah mais c'était donc ça, la tache blanche qu'il y avait une fois sur ton épaule. Je savais pas ce que c'était, je croyais que c'était de la crème glacée. Ensuite, ta maman m'a enfermé dans le placard pendant des heures. Ah ouais? Je suis terriblement... Ah, c'est vrai que ma mère m'a toujours dit pourquoi tu gardes ce robot. Change un peu d'âge, t'as plus 5 ans, Clara. Et elle a dû le cacher pour ça, pour pas que je te retrouve. Mais au final, je t'ai retrouvée quand même, non? Oui, tu m'as retrouvée. Et le plus important, c'est que. Oui? Du mot que je dis à chaque fois veut dire je t'aime. Ah ouais? Le Kohamche? Pour aimer la personne avec qui je suis. Oh mon Dieu, mais c'est trop mignon, mais moi aussi je t'aime, Oscar. Bon, assez parlé. Nous sommes quelque part qui est un endroit très dangereux. Ah ouais, c'est dangereux ici. Faut qu'on parte? Oui, il y a des aliens. Des aliens? Mais avant tout ça, on doit en parler. Mais du coup, attends, c'est les aliens qui ont fait disparaître tout le monde? Oui.